Salam, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler du rêve des orteils et de leurs différentes significations. Mais avant ça, sachez que je propose des interprétations personnalisées et confidentielles pour 5 euros par mois sur Patreon ou Buy Me Coffee. Pour ce prix-là, vous avez des interprétations illimitées pour le moment en question. Vous pouvez faire aussi un don unique via Zoom qui se base sur PayPal ou Western Union. Le tarif est de 20 euros et ça couvre 2 mois et plus d'interprétations. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp avec le numéro qui s'affiche à l'écran et si vous me contactez la première fois, la première interprétation est gratuite. Tous les liens et les informations sont dans la description. Donc on va continuer, c'était un ajout par rapport à hier sur les doigts, on va juste terminer les orteils. Ça va être assez court. Donc dans un rêve, les orteils dans un rêve représentent la beauté de son caractère ou dénotent sa franchise. Tout défaut ou déformation aux orteils dans un rêve se reflétera dans la réalité. Si un orteil ou un doigt est mordu ou écrasé dans un rêve, cela dénote un mal ou peut-être un accident. Si on voit du lait sortir de son pouce et du sang sortir de son index dans un rêve, cela signifie qu'il épousera la mère et ensuite la fille d'une même famille. Ou cela pourrait signifier qu'il violera la mère puis sa fille. Donc c'est un rêve extrêmement négatif. Se casser les doigts dans un rêve signifie échanger des gros mots entre proches, être sarcastique ou se moquer des autres. Si les doigts sont paralysés dans un rêve, cela signifie qu'il a commis un terrible péché. Quand je parle de doigts, ça inclut aussi les orteils. Si on voit sa main droite paralysée dans un rêve, cela signifie de l'injustice envers une personne faible ou infliger des pertes à une personne innocente. Donc voilà le rêve des orteils. C'était juste un ajout. Ça ne concerne pas les pieds. Hein. Les pieds, c'est une interprétation différente. Donc j'espère que je vous ai aidé. Si vous avez des rêves qui vous intriguent, n'hésitez pas à aller dans la description. Et je vous dis à bientôt.